Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. On est rentré il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous montrer les trucs pendant qu'ils sont encore tous dans le sac. J'ai mis de côté le ticket de caisse pour pas faire comme la dernière fois. Hein. Je vous disais que j'ai pas pu vous mettre les prix lors de dernier haul action. Tu veux dire bonjour Bella? Dis bonjour. Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. Mais c'est une petite sociale. On la voit pas beaucoup en ce moment, il fait froid, alors elle reste tout le temps sous le lit. Non, ma puce. Aïe, tu me griffes. Putasse. Donc je m'excuse pour la luminosité qui est bien pourrie, hein, mais voilà. Il est quelle heure? 13h39 et c'est tout gris dehors, donc puis de ma chambre c'est toujours sombre, donc voilà. Pour cette petite aparté, donc on va commencer tout de suite. Je vais fouiller au fur et à mesure dans mon sac et cette fois-ci vous aurez les prix affichés à l'écran. Donc tout d'abord, j'essaie de pas faire trop de bruit, le bibou est à la sieste. Alors, j'ai un truc qui est ouvert. On a pris des princes comme ceci. Je les avais jamais vus ailleurs, ceci, et on pensait qu'il y avait un Playmobil offert. Et pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé de Playmobil. Donc à mon avis, il faut renvoyer quelque chose quelque part. Voilà. Mais ça se présente comme ça dans le... Voilà. On en a goûté un, ils sont vraiment bons ceux-ci, donc voilà. Mais oui, on pensait avoir un Playmobil dedans, mais on comprend pas trop l'espagnol là. Les princes, et je pense que je vais en manger un parce que... Ils sont bons. Parce que j'ai pas mangé mon dessert. Non, ça reste industriel quand même. Mais c'est bon. Moi j'y allais surtout pour aller chercher des décorations de Noël. Mais pareil, ils ont été démodisés ici, donc il reste pas grand chose. Mais bon, cette année, j'avais envie de faire un sapin rouge un peu traditionnel, quoi. Donc j'ai pris un cube. Voilà, un cube. Regarde ça. Avec donc il y en a des blanches, des rouges et des argentées. Voilà. Elles font, je vais vous mettre là si vous êtes intéressé pour savoir la taille. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris des bouboules. J'ai pris guirlandes avec des petites étoiles. Voilà. La dimension, si ça vous intéresse. Donc j'en ai pris une rouge. Et j'en ai pris une blanche. Je vous remets aussi la dimension s'il veut bien. Voilà, une blanche pareil avec des étoiles. Ensuite on a pris une guirlande électrique LED, donc là avec les dimensions. Parce que en fait je n'en ai pas. Il me semblait que j'en avais une, mais non, mais je crois que c'était par rapport à mon sapin entier. C'était mon sapin qui clignotait, je crois. Parce que j'avais un sapin optique noir. Enfin, je l'ai toujours, mais d'ailleurs, il faut que je m'en sépare parce que j'y servira plus. Un sapin noir, voilà, c'est peut-être tendance. Mais avec un petit. Voilà. Non. Ça ne va plus me servir. Ensuite, j'ai pris des petits stickers 3D. De Noël pour mettre sur les paquets cadeaux. Voilà. Doudou a pris une USB extension. Voilà. 5 mètres. J'ai pris des cartes avec enveloppe. Donc il y en a 5 dedans et il y a 2 différents designs. Voilà, parce que j'ai des cartes de vœux à faire. Pareil, j'aurais voulu d'autres designs et tout. Mais là, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choix. Donc je regarderai la semaine prochaine. J'irai refaire un tour à celui un peu plus proche de mon boulot. Sinon, j'ai pris cette grande carte
aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que j'ai un feu à changer sur ma voiture. Donc voilà. Donc vous avez E4, E7. Vous en avez plein en fait dedans. Donc voilà, ça va servir. Je le laisserai dans ma voiture après. Ensuite, je me suis pris des pinces parce que j'ai flingué la mienne, la dernière que j'avais potable. Bon, elles sont pas super super jolies jojo, mais bon, c'était soit ça, soit du vert fluo et orange fluo, donc c'était pas grave. Donc voilà, j'ai pris ça en espérant qu'elles soient aussi bien que celles que j'avais. Il est dur de trouver des pinces qui tiennent mes cheveux vu qu'ils sont super fins et tout. Ensuite, un allume-gaz. Ça fait des mois que le mien il fonctionne plus très bien parce qu'il l'a un petit peu fait tomber dans de l'eau. Voilà, donc voilà, un allume-gaz basique, c'était pas très très cher, comme tout à Action. Et ça va bien servir. Ensuite, j'ai pris un nettoyant multi-surface. Je voudrais essayer de voir si ça fonctionne bien pour la salle de bain. C'est avec du bicarbonate. Donc je vais d'ailleurs, après la vidéo, je vais aller faire poser ça dans ma baignoire. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Du beurre de noix. Voilà. J'aime bien le beurre de beurre de cacahuète. Donc je me suis dit, je vais tester ça. C'est bio. Voilà. 89 calories pour 15 grammes. Donc à voir. Mais j'ai vu, il y a aussi de l'huile de coco. Quand j'aurai fini le mien de peau, je pense que j'en reprendrai à Action. Mais voilà, je voulais le goûter. Et ça, vous en avez pour 250 grammes. Donc ça va. Et puis c'est tout. Et puis bien entendu, le sac Action, mais de Noël. Je le trouvais joli, et puis bon, on n'avait pas pris de sac, donc j'ai dû en prendre un. Je suis un petit peu floue là. Voilà, c'est mieux. Donc voilà pour mes achats Action du jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oui, petite, je fais des petites vidéos en ce moment, c'est bien. Mon logiciel de montage plante beaucoup moins. Qu'est-ce que tu fais, Bella? Vilaine. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.